Eh bien, salut à tous les amis, on continue notre retour dans le temps. Nous sommes toujours au WrestleMania 3 au Pontiac de Silverdome à Detroit au Michigan. Et aujourd'hui, on va assister à un combat 3 contre 3 entre la Hart Foundation, Bret Hart et Jim Neidhart, accompagné de Danny Davis, contre les British Bulldogs, Davey Boy Smith et le Dynamite Kid, accompagné de Tito Santana. Et vous le voyez, l'action est déjà partie sur le ring. C'est Tito Santana qui s'en prend directement à Danny Davis. Regardez-moi cet écrasement de la tête de la part de Tito Santana, le Mexicain. Allez, il relève Danny Davis. Et attention, Danny Davis qui fait directement le changement avec le Hitman, Bret Hart. Regardez, Bret Hart est très très chaud. Il s'en prend à Davey Boy Smith. Il le fait sortir à l'extérieur du ring et il revient avec un coup de pied. Un DDT. Un DDT bien exécuté sur Tito Santana. Allez, Bret Hart qui retourne Tito Santana. Et on tente une prise de soumission, on veut faire abandonner Tito. Est-ce que Bret Hart va y parvenir? Tito Santana essaye d'aller chercher les cordes. Et voilà, il va chercher les cordes et l'arbitre casse la prise. Et Tito Santana qui contre, et il revient avec une droite. Bret Hart qui envoie maintenant Tito Santana dans les cordes. Un double contact, Tito Santana qui contre, qui envoie Bret Hart au tapis. Un coup de poing, une manchette à l'européenne et on envoie Bret Hart au tapis. Du beau travail de la part de Tito Santana. Allez, il reprend un peu son souffle et il projette directement Bret Hart dans son coin. Allez, Tito Santana qui revient avec une belle souplexe bien exécutée sur le Hitman. Allez, que fait Tito Santana? Bret Hart a du mal à se relever. Allez, Tito qui l'envoie dans le coin. Il le place maintenant. Un brise-nuque bien exécuté encore une fois de la part de Tito Santana. Allez, il relève le Hitman. Il l'envoie directement dans les cordes. On passe en dessous. Le saut de mouton, de la belle voltige et un coup de la corde à linge dévastateur de la part du Mexicain Tito Santana. Et il fait le changement avec Davey Boy Smith. Le British Bulldog Davey Boy Smith qui monte sur le ring. Un coup de pied, un coup de poing et un coup de boule directement sur le crâne du Hitman. Ah, du beau travail, un beau travail d'équipe pour le moment. Et regardez le British Bulldog à son tour, un brise-nuque aussi, bien exécuté. De la part de Davey Boy Smith, il relève le Hitman. Et regardez, un Fallaway Slam à la manière de Razor Ramon. Bien exécuté de la part de Davey Boy Smith. Et il ne perd pas de temps, il fait le changement avec son partenaire, le Dynamite Kid. Et le Dynamite Kid, regardez, qui s'en prend tout de suite au Hitman, il le place. Oh là là, on brise le coup là de Hitman encore une fois. Une belle manœuvre de Dynamite Kid, il relève à nouveau le Hitman. Que va faire Dynamite Kid? Oh, une belle manchette à l'européenne. Le Hitman qui le place et à son tour, un brise-nuque de la part du Hitman. Allez, que fait Bret? Il va aller faire le changement à mon avis. Voilà, c'est fait, avec son partenaire Jim Neidhart, l'enclume. The Anvil, Jim Neidhart sur le ring. Attention, c'est un catcher très puissant, on le connaît. Et directement, il va faire le changement avec le Hitman. Il tient Davey Boy Smith et regardez une... Oh là là, quel beau travail. Quel beau travail de la part de la Hart Foundation. Bret Hart est à nouveau sur le ring. Et les Bret Hart qui a pris de la pression sur Davey Boy Smith. Du beau travail pour le moment. Hein. Je vous le répète, mais c'est un combat 3 contre 3. Et regardez, Bret Hart à nouveau, un coup de poing dans le dos. C'est contré de la part du Hitman, le coup de pied. On place Davey Boy au tapis. On place le Dynamite Kid, pardon, au tapis. Et Bret Hart qui revient maintenant avec la prise en 4. Est-ce qu'il va faire abandonner son adversaire? Attention, l'arbitre va peut-être faire... Ouh, dégagement. Bret Hart qui casse la prise. Il a vu que le Dynamite Kid n'abandonnerait pas. Et c'est une gauche maintenant du Dynamite Kid. Le Dynamite Kid qu'il place. Oh là là, une belle souplesse arrière là. Il tente le tomber. L'arbitre compte. 1, 2 et dégagement de Bret Hart. Un très beau combat les amis. Hein. Lors de ce WrestleMania 3 hein, au Pontiac de Silverdome. À Detroit au Michigan. Et je vous le répète, c'était mon WrestleMania préféré. Et regardez, on fait le changement. Tito Santana qui revient. Un petit paquet. L'arbitre va faire le compte. Oh là là, ça dégénère. Tous les catcheurs sont sur le ring. Et l'arbitre doit évidemment stopper son compte. Hein. Tous les catcheurs sont sur le ring. Voilà.
On y voit un peu plus clair. Tito Santana regardez, dead droite sur le Bret Hart. On envoie Bret Hart à nouveau au tapis. Tito Santana le relève et il le place à nouveau pour un brise-nuque bien exécuté de la part de Tito. Tito Santana qui s'en va maintenant monter sur la troisième corde. Que va-t-il faire? De la haute voltige à mon avis, mais non, il se ravise, il revient sur le ring. Bret Hart était trop loin. Tito Santana le relève. Allez, une gauche ici, à la façon boxeur, une deuxième gauche. Et regardez, une droite. Danny Davis qui tombe à l'extérieur du ring. Bret Hart qui le renvoie dans son coin. On fait le changement avec Jim Neidhart. Attention, Neidhart sur la troisième corde. Bret Hart le projette. Waouh! Quelle belle prise de la part de la Hart Foundation. Et Jim Neidhart qui revient avec un solide coup de poing dans le dos de Tito Santana. Un coup de pied maintenant. Qui arrive directement sur le sternum. On relève Tito Santana. Allez, Jim Neidhart le place, regardez, il le place sur ses épaules. Oh! Allez, on se retrouve un petit peu plus loin dans le combat. Vous le voyez, Tito Santana qui redonne des coups de bélier là, Jim Neidhart dans le coin du ring. Tito Santana qui relève Dienville et regardez, des droites maintenant de la part de Tito. Waouh! Du beau travail. Tito Santana qui monte maintenant sur la deuxième corde. Et attention, ça va être à mon avis une descente du poing. Et ça touche la cible. Et regardez, Tito Santana qui crie sur Jim Neidhart. Il le relève, on l'évite et un coup d'avant-bras. Superbe manœuvre de la part de Tito. Allez, Tito qui relève l'enclume. On l'envoie directement dans son coin. C'est très douloureux pour le dos, vous l'avez vu. Une très belle souplex maintenant, bien administrée de la part de Tito Santana qui fait le changement avec Davey Boy Smith. Allez, le British Bulldog, Davey Boy Smith qui revient sur le ring. Mais il se fait contrer par Jim Neidhart. Jim Neidhart qui le place pour une très belle souplex, très rapide. Allez, il ne perd pas de temps, il s'en prend encore une fois. Davey Boy Smith, regardez, une droite dans la nuque. Il le replace à nouveau, cette fois-ci pour une souplex. Très bien appliquée, là, cette souplesse de la part de l'enclume Jim Neidhart. Qui continue son travail, regardez un coup de pied et regardez Davey Boy Smith qui a contré. Il va faire le changement avec son partenaire, le Dynamite Kid. Le Dynamite Kid directement avec un coup de bélier sur Jim Neidhart. Il se dirige dans les corps, descend du coude, belle manœuvre de la part de Dynamite Kid. Il tente le tomber, est-ce que c'est terminé? 1, 2 et dégagement de Jim Neidhart. Vraiment un très beau combat 3 contre 3 hein, les amis. À ce WrestleMania 3 évidemment, regardez le Dynamite Kid qui place Jim Neidhart et lui administre ici une très belle souplesse. Et on fait le changement avec Tito Santana, le Mexicain qui revient à nouveau dans le ring face à Jim Neidhart. Une droite en plein visage, une gauche, une deuxième gauche, une troisième gauche. Il est chaud Tito Santana et regardez-moi ce superbe saut chassé. Et la foule est en délire ici au Pontiac de Silverdome. Allez, Tito Santana qui attend que Jim Neidhart se relève. Mais attention, il est contré. Jim Neidhart, oh là là. Quel enfourchement avec plaquage sur le ring. Beau travail là de Jim Neidhart. Il fait changement avec Danny Davis qu'on a quasi pas vu du combat. Hein. Danny Davis là, le dangereux Danny Davis, l'opportuniste. Regardez, il s'en prend à un Tito Santana très affaibli. Hein. Tout le travail a été fait par la Hart Foundation. Maintenant, Danny Davis rentre sur le ring, qu'il en profite. L'adversaire est blessé. Regardez à nouveau, on passe par derrière, on tente de tomber. 1. Et donc, dégagement. Et un coup de poing là de Danny Davis. Il passe à nouveau par derrière. Et à nouveau, Tito Santana qui va chercher les cordes. Il s'en prend un coup de poing. C'est contré. Et des droites à nouveau de Tito Santana sur Danny Davis. Allez, on le relève. On l'envoie dans son coin. Et Tito Santana qui revient. Et non, il est contré. Écrasement là de Danny Davis. Belle manœuvre. Allez, Danny Davis qui relève Tito Santana.
Il le place à nouveau. Que va-t-il faire? Une souplex arrière à mon avis. Oui, il la maintient. Il écrase Tito Santana. Oh là là. Belle manœuvre là de Danny Davis. Il tente le tomber. Est-ce que c'est terminé? 1, 2 et 3. Incroyable. Et c'est donc une victoire de la Hart Foundation et Danny Davis. On se retrouve prochainement pour la suite du WrestleMania 3. Et n'oubliez pas la playlist si vous voulez revoir tous les matchs. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous !